Hey! Nous voilà dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2022. Autant vous dire que j'ai beaucoup cogité cet hiver et je me suis dit que j'ai trop envie de vous montrer sur cette chaîne YouTube tous les aspects de la voile, les aspects de la préparation du projet dans sa globalité, par exemple comment trouver des partenaires, comment je m'entraîne, comment je prépare par exemple mon mental, enfin voilà tout plein de choses. Je me suis dit que pour cette première vidéo de l'année, j'allais vous montrer un entraînement de navigation typique au centre de Port-la-Forêt, au pôle de Port-la-Forêt. Donc comment ça se passe? En fait, on s'entraîne en session, en fait on fait des stages, on en a peut-être 7 ou 8 sur le début d'année, et après il y a toutes les compétitions. Et en fait ces stages ils commencent généralement de mardi jusqu'à vendredi, puisque le lundi on bricole sur le bateau pour bien préparer tout le bateau. Et puis après, tous les jours, on navigue et on navigue toute la journée. Donc on est très conditionné par la marée ici à Port-la-Forêt. Dès que c'est bas, on peut plus rentrer, on peut plus sortir. Donc souvent, on part pour bien 5-6 heures. Et sur ces stages, on a des thématiques. Là, par exemple, sur ce premier stage, déjà, on était en double. C'était un petit peu reprendre nos marques, essayer de retrouver nos réglages, de refaire les manœuvres. Et aussi d'identifier plein de pistes de travail durant toute cette année. Donc c'était super intéressant. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je vous ai emmené sur une journée typique, donc ça commence un petit peu la veille parce qu'il y a un petit peu de préparatif, jusqu'à la fin de la journée. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. La GoPro chargée, rare. C'est le début de la vidéo. Ça y est, l'entraînement, le premier jour du stage est terminé. Je commence ce vlog à partir de là parce que ce soir j'ai déjà commencé à préparer la journée de demain. Bon, alors du coup pour vous expliquer, normalement quand je viens faire un stage à Port-la-Forêt, je dors à Concarneau chez quelqu'un. En fait c'est un coloc qui me prête une chambre pour mes stages. Et en fait il a attrapé le Covid, donc là j'ai pas pu venir chez lui pendant tout le stage. Donc là je suis dans un petit Airbnb qui m'a dépanné comme ça, je suis toute seule. Mais c'est très bien pour filmer, c'est parfait. Hop, j'ai préparé ma petite boîte, du coup j'ai mis des pâtes, du jambon, un peu de salade. Là c'est des légumes où il y a des navets, patates douces, carottes et du pesto et du parmigiano. Ma, parce que le parmigiano c'est trop bon. J'ai oublié mon ordi dans la voiture et j'ai trop la flemme d'aller le chercher. Du coup je vais préparer la vidéo quand même sur mon iPhone. Je vais regarder les conditions pour demain et je vais essayer de retenir tout ce que je peux. What's on your mind? Wedding bells or divorces? Love lost or remorses of yesterday's song? How can you decide where to go, what to fight for? You stepped at the wrong door, trying to get closure. Together for so long, it's a crime. I'm still in thunder. Cheap
attention pour les 4 minutes. 3, 2, 1, 4 minutes. Dans un paysage qui est ma foi somptueux. C'est un bon entraînement. Et du coup, je vais me changer rapidement et après je vais rentrer. Ça y est, je suis rentrée. Bah même s'il n'y a pas de vent en fait, c'est quand même un peu fatigant parce qu'on fait plein de manœuvres, il se passe plein de choses. J'étais tellement concentrée sur la navigation, sur ce qu'il y avait à faire et tout, que j'ai pas énormément filmé à la GoPro, mais voilà, j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de vidéo, un petit peu de matière. C'était une bonne journée d'entraînement et maintenant je vais me faire à manger, je vais me reposer, me détendre un peu et puis je pense que je vais faire tout à l'heure, ce serait bien que je fasse un petit peu de... d'étirement avant d'aller me coucher et voilà. Moi je vais me faire un truc tout simple, je vais me faire des pâtes avec un steak et des haricots verts. Le plat tout simple mais moi ça me va bien, moi, comme ça j'ai pas beaucoup à cuisiner. Je me fais ma petite boîte pour demain. Parmigiano, c'est très important. Petite feuille de salade. Une petite banane. Moi j'ai fini de manger et ça fait une heure que je suis sur mon téléphone. J'ai fait toutes mes stories Instagram. J'ai eu deux appels et j'ai répondu à pas mal de messages parce que du coup... toute la journée, bah, je reçois des messages, mais j'y réponds pas du tout parce que je suis sur l'eau. Donc voilà. Là maintenant, il est bientôt 22h. Je vais aller faire mes petits étirements et puis après, je vais me coucher. Allô. Bye.
Sacrilège, je suis en train de faire la fin de ma vidéo et je suis en train de ressortir tous les derniers plans que j'ai fait de cette journée là. Et en fait j'étais en train de faire mes étirements, enfin ma petite séance de yoga, et là ma mère m'a appelée. Et du coup on s'est appelé pendant une heure et après je suis allée me coucher. Et je pense que j'étais tellement fatiguée cette journée, et puis je sais pas, j'étais à la tête dans mes entraînements que du coup j'ai oublié de faire une conclusion à cette journée là. Donc voilà, j'espère juste que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé voir un petit peu les coulisses de nos entraînements en Figaro. Et normalement je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un nouveau sujet de la voile. Donc voilà, à bientôt.